El Tramucho. C'est quoi? Il a acheté quoi? Bon. Non, c'est la tienne, t'es con ou quoi? Non, c'est la tienne. Non. Bon, bref. Ça coûte rien. Bref. Petite vidéo, rapide. Parler des clientants. Là, ça tombe bien, on va monter sur celle-ci. On en monte de plus en plus. Bon, là, ils sont dans la boîte, donc on les voit pas. Ça, c'est ceux pour devant. Donc, ils font juste clignotant. Oui, ça va être que clignotant. Ceux-là font clignotant, feu arrière, stop. Oui. Et position. Oui. Ça remplace feu arrière et clignotant. Ça remplace, ouais, feu arrière et clignotant, en fait, dans un truc. Ceux-là, LED plus feu arrière, homologué. Ils font halte noire, 94,50. Ceux-là devant font 79,50. Bon, ça pique le cul, c'est sûr, mais c'est homologué, c'est tout est en ferraille, il n'y a pas de plastique, c'est du LED. Donc ça, on les trouve chez Beer. Donc Beer, c'est les fournisseurs pour les pros. Donc ben, vous pouvez vous rapprocher soit de Lionel, soit de nous. Ou aller voir directement sur le site de Beer. Ou sur le site. Il y a les prix publics. Voilà, il y a les prix publics sur le site de Beer. On peut pas commander, mais il y a les prix publics. Voilà. Mais après, quoi qu'il arrive, pour commander, il faut passer par un pro, donc Lionel ou nous. Voilà. La gueule que ça a. Quand c'est monté, alors hop, technique là, veilleuse. Ah, ça peut pas marcher la lumière ici, ça va éblouir. Fais donc voir, ouais, ça stoppe là. Ça stoppe, ouais. Là ça stoppe, là ça stoppe pas, là ça stoppe. J'ai des étoiles rouges dans mes yeux. Là ça clignote. Et là, ça clignote aussi. Waouh! Donc, le top du top du top, c'est de coupler ça à une centrale LED, centrale clignot LED. Parce que sinon, voilà, ça évite que ça fasse un peu comme ça. Donc, ça, centrale clignot LED aussi, c'est pareil. Ça vaut des cacahuètes, ça doit valoir peut-être 20 ou 30 balles. Mais au moins, on règle la vitesse du clignotement, ça évite que ça fasse ça. Et ce sera pire quand on les aura montés à l'avant. Et ce qu'il y avait avant, par la magie du montage cinématographique, c'est ça. Donc ça remplace quand même pas mal de merde qui fait quand même pas mal dégueulasse. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour les pour montrer ces petits clignotants V-Parts. Voilà. Donc hop, ils sont tout petits, tout discrets. Voilà. Presque le doigt il est plus gros, mais c'est homologué. Voilà.